choisi pour vous informer, car c'est lui qui a l'information, a le pouvoir, très chers téléspectateurs de Cimé Télévision, très chers téléspectateurs du Grand Débat, Yamukolo, Bualelo, et si Bandi, et pas, il va plutôt sur la Kambo, qu'on a différents sujets d'actualité pour aller pas, parce que Banambo Kabali a besoin à cause de la fixer sur certaines choses, Maï, Kole, Kanambo, Kanabiso, République démocratique, du Kondé, Bolingaramingi, émission Nabino, Grand Débat, ils ont ramené la Lingala. Donc, surtout que moi, français, besoin de service au maman Grachela, et puis ça va inviter Balobamingi. Lingala pour te comprendre, mais nous devons continuer pour s'en abolir, mais c'est Mikolo pour arrêter toujours pour la Kobanda émission à Wisson. Donc, vous savez que ces derniers temps, embouteillage, binomo boyebi banakin, binomo boyebi, comment les embouteillages, n'est-ce pas, Mikolo est terriblement. Donc, pour te comme la binoise, c'est tout un problème. L'un des pays, bah, moto et cocotte à les sous-soutenir à Gombe. Donc, à créer Penza transport, boulouille qui transcourt les autres ambulatés. Donc, boulouille qui est tika na lumba, on toujours bah, revue de presse, tout peut bah, s'en ouvrir. Ton lit, ton message, on va rapidement avant de dévoiler bino bah invité na biso ya mokolo mo alelo on attend la bino revue de presse du jeudi 21 mars 2024 sans surprise le siècle de chériben aucun des domine la presse au Paris c'est jeudi dans la capitale selon la référence plus une cérémonie a été organisée pour lui rendre les derniers hommage lors de la levée du corps à l'hôpital du Saint-Quentinaire en présence de plusieurs personnalités politiques, dont Moïse Katumbi. Aux obsèques de Chérubin Okende en RDC, sa famille crie sa colère, rapporte GeneAfrique.com. 8 mois après la mort de cet opposant proche de Moïse Katumbi, un hommage lui a été rendu hier, mercredi, à Kinshasa. Mais parmi ses proches, comme au sein de sa famille politique, personne ne croit à la thèse du suicide. Selon Radio Okapi.net, la famille Okende sollicite enfin une audience auprès du président de la République pour lui parler. Elle demande également au Conseil national de l'ordre des avocats d'autoriser ses avocats à exprimer à toute liberté sur ces dossiers. Déterminée à s'évenger, la famille de Chérubin Okende promet une justice coutumière pour les défunts à partir de ces jours d'enterrement, que tout celui qui a participé à la mort de Chérubin Okende commence à compter ces jours, déclare Georges Oyemba, membre de la famille, relayé par Brève.cd. Dans son homélie, rapporte à tous 30.cd, l'archevêque métropolitain de Kinshasa s'est montré contre la conclusion de la cour de cassation sur la mort de Chérubin Okende. Le cardinal Ambongo Fridolin a sévèrement critiqué la justice congolaise pour ses princes de l'Église catholique. La conclusion des enquêtes de la mort de Chérubin Okende montre vraiment que la justice est malade. Heureusement pour Nabiso Awatozali Peña, Nabandego Bayebi Mibé Okotoro Mikolo Belango, malgré ma péquise, je vais plutôt te remettre en cause tes conclusions. Oui, et Pesamaki Nangambou, il y a justice Nabiso Yamboka. Donc, mais tu remets votre char à point de vue parce qu'il y a un des alliés d'actualité du Kambouetel Liwa. Il y a Mwanamboka Chérubin Okende. L'éveu du moratoire sur la peine des morts dans une déclaration conjointe parvenue hier mercredi, la prospérité, les ambassades du Canada, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse se disent profondément préoccupés par la levée du moratoire de la peine de la mort en RDC. En clair, explique le quotidien, les représentants diplomatiques de ces quatre pays en RDC sont opposés à la peine de mort en toutes circonstances. Stanley Boujakir ne compte pas faire appel pour le moment, c'est qu'il annonce sur RFI. Dans cette interview, Stanley Boujakir a évoqué les pressions qu'il a subies pour qu'il relève ses sources, les pressions sur les juges pour qu'il le condamne. Sénat congolais suyé et désacralisé par la corruption des cratophiles. Titre à la une, la référence au plus, la chambre haute du Parlement serait-elle en voie de devenir un lieu où sieste après leur forfait les kleptocrates ou plutôt en haut lieu du savoir sacré à Salim, la lanterne qui éclaire la marche de la République. L'actualité, c'est aussi la célébration hier, mercredi 20 mars, la journée internationale de la francophonie. À ce sujet, la prospérité nous apprend que la première fois, le gouvernement congolais boycotte cette journée. Pour les quotidiens, c'est un signal fort à l'endroit de ses pairs de la francophonie qui peinent à prendre position dans une situation d'injustice internationale contre un État membre. Une décision qui a fait réagir les CG de l'OIF, écrit l'Avenir, qui souligne que face à l'agression rwandaise, la porte-parole de Louise Meshakawabo
préconise les dialogues. Au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le Forum des As annonce un sommet extraordinaire des Troïka et des pays contributeurs des troupes de la SADC ce samedi 23 mars à Lusaka, des Zambie, Banambo, Kanali, Naisengo, Yako, Yambapo, Nabino, Maître Eric Bisselo, Ali Bongo, président du consort contrat social pour le renouvellement. Renouvelé. Contrat social renouvelé. Donc, consort en sigle, on a passé déjà en beauté. Oui, madame. Beauté, maman Rachela. Merci pour l'invitation. Merci, Néo Kanisi Bissouna Moukola Lelo. On a passé au débatteur en Angaï Mbote, au Tosa Bissouna Soukoyevo, en Akadi, à l'institution judiciaire. Et c'est vrai que si je peux placer un petit mot d'introduction pour Nakoloba, deux choses. D'abord, qu'on a présenté mes condoléances encore les plus attristées, les plus patriotiques à la famille de Feu Charibou Nkende, un député national, un ministre honoraire, quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui travaille pour sa nation. Nous rappelons que, mais moi je rappelle que oui, l'ONA qui est l'Ordre national des avocats devrait non seulement autoriser les avocats des partis pris, de se prononcer, mais également je pense aussi que pour que justice Mbokanabiso Kendeliboso, l'ONA devrait prendre un peu plus de part dans Katia. Question juridique et surtout sociétale qui touche à la fois l'institution juridique mais qui touche aussi les prononcés juridiques. Je pense que l'UNA a le devoir dans ce genre, par exemple, les questions c'était les Kamba moratoires, mais c'est une question d'ordre juridique, éminemment juridique, parce que ça perturbe l'ordre juridique, ça perturbe. Donc l'UNA devrait prendre part et côté que la politicienté, baloba, nyoso et tout et n'importe quoi. En définitive, Nazo conclut Awa, Naza inquiet parce que Mikolo et Otozali Komona. La garde républicaine, la police nationale, qui a massacré la population Zali, et toujours comprendre dans la haute. La nouvelle unité créée, la na kawele kuna na limete ba betani massa pendant plusieurs jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba tout ba koufi indifférent moko ezan mutuna makolo. Donc au moins on comprend pas comment ces corps manquent autant de discipline et qu'il n'y a pas du tout intervention, il y a hiérarchie, il y a hiérarchie, il y a continent. Et en plus, en Galie, pareil, la police, lundi, il y a garde publicaine. Tu dois comprendre que là, tu as tenu la garde publicaine comme une légèreté. Les lots, on attend avant d'y aller, jeune mon balbando bando bête, maman, mais bas en civil, le bien, tout ça, bah GR, bah policier, bah bas, bah moi, ok, ok, quasi tout si ça, on a la poste. Après, le militaire, bah tiko, y'a natif, kamwana. Bozo comprendre que instabilité, oh, Ezalina. Mais il y a garde républicaine, garde les alliés qui battent l'institution président de la République. Une telle légèreté, on a à s'inquiéter. Est-ce que l'institution président de la République est suffisamment bien gardée? De deux, la population qui subit alors différents entre les deux corps armés, c'est la population qui a payé les propres. Il y a quoi? Je crois 6 personnes qui sont mortes dans les différents points de massacre entre Oudjana, garde républicaine, NAB, FRDC et Kotinakati. Donc c'est incroyable. Non seulement tous en courant et tous en maïté, mais insécurité bazo l'obéla, bah devrait d'avoir au talon au cœur. Il y a bateau bazo la maman. Très bien, Mboka. On a passé 3 minutes. Bien que j'ai sujeté, mais à l'actualité, les Cambodgiens vivant en Écosse, donc ils m'habitent au côté de la quantité, mais quand même, écologie, sa famille ici, balobi, mutu, moi quand t'as zone dit ma thèse, il y a suicide, mon Mboka. Yo, au point d'embarquer, et pour ça, la binôme des unités, mon imam ina omeli, y a mon Mboka Fridolin, Ambo en Colombie, que en tout cas, Mboka na biso. Makambo ezo leka ba arrêt tous ces autres accès justice c'est vraiment malade madame Boka bino étant que ba corps vous allez vraiment vous singeli pour na makambo au juriste au quand on est aux autres justice ils allaient malade boulou était au monaki arrêt il y a conclusion na mambetali penza liwa ya ya chebankeni. Bah, tout d'abord, ce n'était pas une décision juridique, ce n'était pas un arrêt. Mais cela dit, justice c'est ça malade. Ouais, justice c'est ça malade. Ce n'est pas Bissom Tolobian, mais président de la République. Bien à plusieurs reprises, non seulement tant que na monologue, na communicatrice na avant les élections, à l'obéir au pays récemment. Donc, justice, c'est aussi simbaté, ils ont avancé, justice, c'est un malade. Le premier magistrat de la République, c'est lui qui nomme les magistrats. Il y a mon cas au Lobanou que justice, c'est un malade. Tolobani. C'est un constat, c'est un fait. Justice, c'est un malade, justice est corrompue. Corrompue pourquoi? Parce que même des gens qui ont été sanctionnés pour révoquer notamment, pour corruption, pour moralité douteuse. Bangouana Kaka Félix Antoine Tshisekedi a réhabilité.
Congolais, il n'y a évité que la justice, c'est un peu comme ça, malade, et ça, il y a solo qu'il faut que somme des sujets, bah, juge. Congolais, il n'y a évité que dans le cannabis, pour la même police à intervenir, à même pas parquer, il faut qu'on pèse bambou. Justice, c'est malade. Mais ce qui est triste dans l'Iwa, il y a fait Chériban Kende, je n'ai pas vu la présence à l'Assemblée nationale. C'est pas n'importe qui est mort. Hein. C'est l'État qui a été touché. C'est l'ancien ministre. C'est un, non, c'est un député national, pendant qu'il est mort. Député national, en tant que député national. Un représentant de l'État, de la nation. Mais nous n'avons pas vu de cérémonie officielle. La continuité de l'État qui veut même que même cette Assemblée nationale aille se recueillir. Et que les cérémonies soient officiellement organisées à l'Assemblée nationale. C'est pathétique. Ça. Et ça la passe. Cela démontre quelque part que le pouvoir est imprégné ou bien est impliqué de manière implicite à ce genre de dossier. On ne peut pas supporter qu'une telle personnalité soit honnie ou bien soit marquée d'une fer. Oui, il faut en parler parce que rien n'est normal. Et que le président de la République, sur la lingua bimisa, moi, justice, on a quatre cocosolés, et que c'est vrai que le ministre de la Justice ne sert strictement à rien, mais devrait s'imprégner de ce genre de dossier. Sanctionner ceux qui sont responsables, quitte à ce que ce soit de votre famille. Merci beaucoup. On devrait commencer par là. De l'autre côté, nous avons Maître Louison Eyaki, le vice-coordonnateur, il y a l'île de Gênes, Kinshasa, il y a MLC. Moi, je suis un peu. Merci beaucoup, madame, pour la temps, l'invitation. Je salue aussi population kinoise, pour à ce même moment. Et mais moi aussi, de manière introductive, je voudrais ici... Lingala, mimi, bon, lingala. La mimi, vraiment, on a rassuré les Congolais que moi, bah embouteillage au Bazomona, moi, problème, il y a courant au Bazomona. Moi, problème, ton problème. Justement, problème, il y a courant au la ville, il y a Kinshasa, principalement. Et ça, on a aussi la calamité. Je pense que l'installation... Il y a déjà élection, il y a gouvernorat, ils ont les 28. Et puis l'installation, c'est le 17 mai. Donc je crois que le problème, on est ici. Vice-gouverneur, ils ont bango ticket à Union Sacrée. Justement, parce que. Madame Kinshasa Nabisoyo, tu as vraiment un problème pour la. Bateau Boka pour gérer Kinshasa. Entre autres, il y a des critères pour que désigner même Union Sacrée, bateau Boka pour gérer Kinshasa, na ba critères. C'est-à-dire, premièrement, tu as dit qu'il faut que tu aies un mot dans la Bolingo. Bolingo, d'abord, il y a ville, il y a Kinshasa. Mais aussi, il fallait que tu aies un mot dans la Azana moi légitimité mon isoki oyebi passe ya base na yo oyeba comment est-ce que oki ko pe sa pe solution na ba problème mais c'est le cas avec Edi Yeli moi na mboka Edi justement madame je dois vous rappeler ici que honorable Edi Yeli Azali d'abord député national parce qu'il a postulé qui comme député provincial et national na circonscription à Ngiringi et puis na circonscription à Funa abimi député provincial à Ngiringi abimi député national à Funa parce que je dois vous rappeler ici que Funa est qui parmi poule de mort et Yende Moutoua abimi les premiers de la classe na circonscription à Funa sans machine à voter sans bourrage d'urne Yende Moutabima qui premier na circonscription à Funa c'est-à-dire que critère na biso ce sera qui en tout cas na présidium ya Union Sacrée baluke la biso mutu oyo batu oyo baza d'abord na bolingo c'est-à-dire bolingo mboka bolingo ya Kinshasa bolingo ya batu altruisme l'amour d'aider les autres mais aussi batu bazali na moins légitimité te ba mboka ba okansa bon te ba mboka bazo kansa mutu oyo esengili fois ayi la bon cahier des charges qu'il faut ba imboka na yambi ba lobi bango ba critère ba lingi ba mona na ba candidat na ba monité hein non mais écoutez attends mais écoutez moi d'ailleurs mon ami d'ailleurs na linga ki kutro kota wana te parce que madame dans de tout le gouverneur au baza ba candidat ba postulé et un gouverneur ou soit des na ticket moroté au bazali na programme na projet comme nini comme ticket à Union Sacrée parce qu'il faut savoir que le ticket il y a Daniel Bumba na de paix et puis dit les alliés ticket à Union Sacrée les autres là veulent se rebeller mais je pense qu'ils vont tirer les conséquences c'est le ticket de l'Union Sacrée et il n'y a pas un programme aux alliés béton comme programme là-bas
programme na bango ezali na makambo ya ko moderniser ville ya Kinshasa, ya ko sécuriser ville ya Kinshasa et aussi ko rendre propre ville ya Kinshasa sur makambo tali assainissement. C'est-à-dire que makambo tout ya programme kolobate ezali na programme mon côté oyo ezali le quoi programme na bango ezali na 7 axes. Vous comprenez? Ba meki to rozwa tant to koma na makambo ba propagande comme kampé ko talisa yango. Parce que toloba ki yango critère mususu ba baki ezali côté scientifique. Côté scientifique, tobi bango tout bazali ba scientifique autre encore que Odi Yeli, il est aussi scientifique, il est gradué à l'UPEN na informatique de gestion, c'est-à-dire plutôt gestion économique, Alors Bazali aussi diplômé, gradué, donc ça dit Monsieur Dibumba aussi, c'est un licencié d'ailleurs na Unikin, na économie. Donc sur le plan scientifique, ils sont. Mais yango na lobby que yango na sili sapone yango yango na lobby que ngai naza vraiment des partisans. Muto ya kanisa que gestion ya malamu ya mboka isaka kapo na bato batangi. Parce que soko kei na ba pays neti lokola comment Afrique du Sud, okokuta na mudowa Jacob Juma atanga na été. Jacob Juma, c'est quelqu'un qui n'a pas effectué deux études, mais aujourd'hui Jacob Juma a fait développer Mboka na Bango wana ya Afrique du Sud, l'Elo Afrique du Sud, parce que Jacques na Brique, l'Elo Afrique du Sud ali parmi ba nations puissantes, non Afrique mais seulement ya monde, mais Jacob Juma a côté ici bango na ba instance wana na surtout azali na vraiment te muto yo atangi ba classe wana. Donc c'est un peu ça. Je salue déjà, je salue en tout cas l'honorable Edi Yeli le candidat et je pense que azali C'est le ticket de l'union sacrée. Mais ils ont tous les atouts, c'est-à-dire bazali na compétence et puis bazali na légitimité na bango. Légitimité ça d'abord parce que bawuti na union sacrée. Les autres sont que des rebelles. Très bien. Pourquoi il a toti kalakawana comment expliquer absence remarquable ya institution na matanga ya moko ya ki député national za ki pe ministre ya transport na mboka oyo ndeko chiribon kende. Bon, madame, vous savez d'abord que nalingina rappeler le moko. Je ne vais pas vraiment ici kokota trop en détail en ça, mais il faut te belo moko te dit que le gouvernement est déjà démissionnaire. Je parle des institutions. Oui. Quand vous parlez des institutions, l'institution gouvernement, par exemple, ils ont déjà des missionnaires. Ils ont exercé, en tout cas, affaires courantes et aussi plusieurs d'entre eux, ils ont travaillé avec la pression que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit limitativement et pas le président de la République, donc, c'est-à-dire que. Pas pour expédier les affaires courantes. Ils sont là que pour expédier les affaires courantes, mais aussi au Ebito, on a un moment un peu exceptionnel et spécial. Donc, Baza trop pris, s'il faudra dire ça. Et aussi, je pense que, je ne sais pas vraiment avec beaucoup de précision, j'aurais appris que la famille Ndé a décidé que, vous voyez, à Kenenaba, processus, il y a Bob Sek, ou Anabongoza, qui vraiment était en commun accord que avec. Ce n'était pas vraiment en commun accord, avec les gouvernements, vous voyez, parce que généralement, lorsque quelqu'un y a autorité, Bongo Akoufi Namboka, ils ont toujours un accord où ils ont l'accord entre famille et aussi avec le gouvernement. C'est-à-dire beaucoup le babo pour na calendrier pe a gouvernement ba makambutoza na ngo bosali ngo boe botia ngo boe, mais vous savez que le gouvernement ne peut que proposer, vous comprenez, le gouvernement peut que proposer, mais la famille qui a le monopole, il y a décision et vous ne pouvez pas aller au-delà par exemple de la décision de la famille. Mais comment vous avez jugé la conclusion, il y a rapport, il y a Ndeko Chirbon Kende. Mais pour que Bazouzi baloba mibeko, il faut que ba preuve zala. C'est-à-dire que bokeyi na se, bozui ba bosali ba enquête, bozui ba preuve, boye na yango, et après Zouzi alobi mibeko. Mais ba preuve wana ezali na bato ba lukaka ba preuve wana. C'est-à-dire que ezali otobengaka ba procureur, vous voyez, c'est-à-dire ba magistrat,
bango batu balukaka ba preuve wana baza na monopole ya kosala ba enquête wana. Tango ndeko akufaki biso tuto baki ezaki assassinat, l'opinion hein, a crié beau sur l'assassinat. Mais, ba kete salamaki te, tozaki mba moko na ba préjugé tobi ke ba assassiné, ba salibou. Mais lorsque ba enquête et salami, tu es constaté que Ezaki n'a pas été Ezaki suicide. Donc, c'est-à-dire que moi, n'a pas été. Mais écoutez, ngai naza moto ya mibeko. Est-ce qu'on dit mis ngai naza moto ya mibeko. Je pense que sur le plan de droit, question Anna Ezaki déjà balayé, dans le sens que le PGR, lorsque ça, le procureur après la cour de cassation, lorsque ça, la qui enquête n'a à finir par conclure que effectivement il y avait suicide, il y en avait pas, il y en avait pas assassinat ou meurtre. Donc c'est-à-dire on croit à cette décision, il y a enquête parce que vous savez on ne peut pas mentir sur les enquêtes. Mais je dis ici ce qui est un élément nouveau parce que on a dans bateau mutual que perfection ils ont domaine il y a eu mon zambé, c'est-à-dire que même justice n'a pas eu autant que bazo le bakéza malade, c'est peut-être bazo t'as la botte tenir compte qu'il y a certaines imperfections, mais imperfections ils ont quand on a commoté imperfections ils ont même dans bas pays dites développés, par exemple bas États-Unis d'Amérique, par exemple bas France, au coup t'as la cas dans bas erreur soit matériel soit erreur de droit. Donc malade il y a justice, c'est vrai, justice est malade. Là, c'est tout le monde qui l'a dit, mais je pense qu'on travaille sur cette perfection. Il y a justice, wana, parce que moi, le président de la République a constaté qu'il y a un recrutement, il y a 5000 magistrats, et il y a 5000 magistrats, il y a 2500, babanda qui déjà moussala, ça va toujours être formé, mais aussi il y a 2500 autres, bah, en 2024. Donc, c'est-à-dire que le président travaille sur cette réforme. Très bien. Moi, Mboka. Ajoutons quand même, moni voice moque circulé Mikolo, attribué à l'ancien ministre Moderon Timba. Au Bakangi. Ah, Bakangi est pas des miracles. Depuis lundi. Voice Yuan n'est venu que confirmer ce que nous avions déjà entendu, nous avions déjà dit. Et n'oublions pas que en appendice, il y a affaire Oyo, il y a Sherbon Kende, un journaliste indépendant et intègre, a passé plus de 6 mois en prison. On a voulu lui attribuer la haute trahison, comme ils en ont l'habitude. Mais nous avons à confondre Bango parce que si le monde de la presse a témis, le Congolais a été mis à Kambouana, Sanis Boujakera a pu rentrer chez lui hier ou avant-hier. Donc ce n'est pas grâce à la justice, mais grâce à Yaba Congolais, au Balbino, ça suffit. On ne peut pas laisser une justice malade perpétuer impunément la mort de la démocratie et la mort des Congolais sans que nous intervenions. Depuis ma conclusion, il y a un rapport sur l'IOA et le cochelement qui est déco. Je suis un peu plus de temps. Quand on a décidé de trouver la plateau ya mukolo moi lelo, nous allons revenir sur la fin du moratoire sur la fin du moratoire sur la peine de mort en RDC qui continue de faire couler beaucoup d'encre des salives. To remettre à tout na ba question, est-ce que ça peut dissuader le traître ya mboka na biso to zo ba vie ya ba imboka o bazana peut-être mukolo ya moi lelo, surtout to ina ndeko o azara sima ya docteur Denise Mukwege, docteur Denise Mukwege o boye ba le prix Nobel de la paix. Donc tout n'est pas la nini moi mboka azote le milaya ngwa lingi ko tuli kambola ta lobi que ezali un constitutionnel na mboka na biso ebindu mokatiko du Congo to ko meko kozwa makanisi ya mwana mboka maître Eric Bisselo et puis to ko lobela question o ezali ko poza me wani ko tuna nga depuis kala moi mama Grachela a quand les démarrages du deuxième mandat ya président Félix Antoine Tshisekedi habitant mazo ki pouvoir to pe lor ya investiture na ye ya ti ko loba donc comment na mutazo lo bazaki vraiment la posa pour sentir pour ça y a quoi agir quoi aussi lisa quoi attaquer directement le problème y'a beaucoup mais si qu'est-ce qui bloque donc mes colombas n'abandonnez pas d'aller na plateau mon colombo le tobani na maître
Maître Lévi Amouratoire, pourquoi le docteur prix Nobel de la paix à côté de Mélango pour la nuit? Tout d'abord, parce que c'est pas une question en Mboka ou pas, c'est une question des intérêts. Mon question est un moratoire sur la peine de mort, question à peine de mort. Et ça, question moko sociétale où légitimement mutunyo ça courir aux ala na idée, parce que moralité n'a y permettrait, religion n'a y permettrait. Et ça peut question politique. De permettre on en a d'abord dans le sens où on en a en termes de historique et puis dans termes il y a politique. Et puis, débat, on a, pour il faut aller un juriste. Pas simplement un juriste, un pratiquant du droit. Exactement. Il ne faut pas venir, je suis théologien, je vais vous parler de la Constitution. Et heureusement qu'au débatteur, on n'a pas les juristes. Les juristes, donc, c'est-à-dire, je suis un peu rassuré. Okay. Il doit au minimum, en première année, nous en prend ce qu'on appelle les pyramides des normes. Okay. Donc, on a une bande de confusion, ça l'a été côté. Allez-y. Je vais juste vous rappeler, il y a un Congolais, fait mon historique. Tout commence le 7 mars 1966, lorsque. Un président, moi, à Sikakomi, Joseph Désiré Mobutu, arrive au pouvoir en faveur d'un coup d'État, bien sûr, 3 mois avant, a supprimé obligation à soumettre ordonnance-loi dans la chambre législative et pour qu'on confirme. C'est-à-dire que c'était une dérive dictatoriale pour qu'on député au Balbaki, tout ça, expression en population. Parmi les députés, on a mis sous basangan et babi. Oh, mais non, ils ont des rives dictatoriales. Nous trouvons ça n'est pas tout ce qui s'est écoulé. Donc le dimanche 29 mai 1966, toujours jour de la Pentecôte. Les députés mon basangani, la personne comme on a parlé, Évariste Kimba, Emmanuel Bamba, Alexandre Mahamba et Jérôme Anani. Les députés sont basangani, na bas généraux, na bas militaires, qui eux faisaient partie à Batoa, Bobutu. Régnier Bandi, le 29, ti, bah, 20h, ti 1h du matin, bon, bah, commando bah, Kangi Bango. Parce que les militaires étaient infiltrés. Bah, Kangi Bango, lobby nango, Mobutu, alekina ba radio, bah, Kangi Abinan, Batou, Banima Traimbo, la République démocratique du Congo. Instauration, ordonnance sous la mou et salami, tribunal militaire des sections, un procès expéditif. Bah, bah, yaki, hein, parce que, moni, Makamo et Sali, Makamambo, la population à la sensible, mais. Nalokuta à Kendaganzela Mabe. 20 000 personnes sont venues. Ah, bah, lundi prochain. À la fin de la journée, sentence tombe. Peine de mort pour les 4 inculpés. Soubasma Nango, code pénal de 1940. Code pénal 1940, c'est reconnaître. Il y a un peu dans la pratique aujourd'hui. Non modernisé, non réactualisé. L'exécution a lieu en plein public, comme ça, Batunios Baye, le 2 juin. À l'actuelle place des Stades des Martyrs à Kinshasa. On a pendu ces Congolais-là qui étaient en train de s'inquiéter de la démocratie congolaise naissante. Nanyango Lelo à Koukoloba, Kebandegona Bissoyo, Évariste Kimba, Emmanuel Bamba, Alexandre Mahamba et Jérôme Manani, Bazaïk va traître à la nation. Pourtant, ils ont été condamnés en vertu d'une loi. Et pour justifier, légitimer cette condamnation, cette pendaison, il y a eu le père du président actuel qui a rencontré les médias internationaux. Bien qu'à regretter qu'il y ait plus tard. Mais nous remarquons toujours que les faits sont là. On a assassiné des patriotes qui pensaient à l'avenir de la démocratie par le soubassement d'une loi. Maman n'a pas été le deuxième aspect au tokomi n'a pas politique. Le moratoire sur la peine de mort est né des accords de Sainte-Cité. Où il y avait MLC signataire ainsi de suite. Parce que Baninga, Outaki na Bitumba, Misusu, parce qu'on mettait qui des exactions à l'égard des Congolais, massacrait qui des Congolais. Donc ils voulaient une forme d'immunité. Et que quelque part, justice aussi, pour ces rapports, Baninga, ça n'a pas qu'un déliboso, il faut qu'on limbe ça, malgré que ça la passe. Et que nous avions remarqué déjà à l'époque que la justice, elle était malade. Sur aux ans, problème, Bakoki, que ça, le Kamboa, le Kimbangu, Ndenge, Varis, Basibisaka, pendaison. Peine de mort, ok, bah ils s'acquittent. Non, les gambas justice, malade, ben d'accord. Problème de Yangwana. Ok, allez-y. Vous savez, la drame, le drame d'une peine de mort, c'est que. Il est irréparable. Problème de Yangwana. C'est-à-dire que même ceux qui justice, ils se trompaient. Doana Koufi, beaucoup qui ont réparé l'injustice. Beaucoup qui ont assimilé. Non, moi, je suis un peu là parce que c'est un constat qui est clair. Notre justice, le chef d'État l'a dit, est malade, est corrompu, est gangréné, et est en cancer.
et sur son lit de mort. Et aux OPC sous autorisation au Bouma. Tout le monde dit justice n'est pas un journaliste pour autre raison. Mais bah tiki bon. Tout le monde dit justice n'est pas un qui et qu'ils ont toujours une décoescadée là. Et bah qui trahison et comme il est là, bah délit mineur. Tout le monde dit justice n'est pas un qui Frank Dion et tiki bon. Tout le monde dit justice n'est pas un zèle quand il s'agit de taquer opposant politique. Parce que justice soutient toujours le pouvoir. Au lieu de chercher son indépendance pour le bien de la nation, pour l'intérêt des Congolais, ils sont son pouvoir. Baninga na biso question système albi non. Ils ont compris na kubuma ba traître na kati ya armée. Ba ubang la peine de mort. Na Congo. Yo okanisite ke yombanisa. Neko. Na Congo militaire ozolo bané abanga liwa. Yo yebi mito abanga kaliwa. Militaire tanga zo kende franzo lu kende lugandi. Azo ke sani kubuma pe ko recevoir liwa. Mutu azo a continue musala na bibi ke na kokufa. Bon, c'est un paradoxe. Il y a que des civils qui pensent comme ça. Ou bien, ma politicien. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Déjà, tu as une psychologie. Oh, militaire, tu as une psychologie. Tu as une psychologie. Peut-être que tu peux enrayer. Minduki armement est bien terme. C'est vrai qu'il y a des efforts de modernisation. Mais tant que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des poches où l'armée est bien équipée et mal formée. Militaire, il y a un coup de fond. Donc, c'est logique. Il y a qu'à défendre un boka, à paix à l'Iwa ou bien soit. L'Iwa est soit. Il y a Obanga. Non, Obanga. Obanga, il y a un. Mais Tokyo a des SMS. Mais ce qui est total, il y a 4 villes, province, Kinshasa, les poches, il y a source, il y a population, ils ont. Comme Makikoulou Namakas, ce sont des enfants, des policiers, des militaires. C'est dans les camps que sont cachés, ces Koulouna. Yo, si go papa, que Franck Oboma, Kobunda, maman, Zanambon, Ota, Vandaranabatol, moi, na komane Koulouna, Boye, Bozu, moi, nané, Boubomi, Yekouna, Zana Franck, Kanser, San. Il faut réfléchir, la sentimenté. C'est faux, tant que Roloba, que c'est le seul moyen. Parce que, est-ce que ce n'est qu'une sanction. Comme 30 ans de prison, c'est une sanction. Comme la perpétuité est une sanction. C'est une sanction. La mort n'est pas une sanction qui règle les problèmes. La preuve en est. Faut qu'autant la nation pratique à la peine de mort, il est là. Les États-Unis, parce que la justice n'est pas infaillible. Et qu'à force de... À partir du moment où ils équitent innocent mon corps, il faut se remettre en question. Vous êtes qui pour nous repérer Saliwa? Voilà, c'est l'aspect social, politique. Donc, on réfléchit ensemble en tant que Congolais. Mais tant biso, praticien du soir, on est plus que cela. On est des gens où on maîtrise la technique. Tout praticien de droit, on a bandé la formation. La première année, on a biso, c'est que la pyramide des normes. La pyramide des normes, c'est sûr que le sommet de la loi est la constitution de la République. Et la bloc de constitutionnalité. Ça veut dire que dans le bloc de constitutionnalité, on a constitution, on a un accord international, on a signé des hommes, on a un institut international. Et puis dans le cadre, c'est peut-être aussi le préambule de la constitution. C'est-à-dire que dans le sommet, la loi suprême, c'est la constitution de la République. L'union se joue à C. Il faut la conforme à la constitution. Il y a un constitution, l'article 221, lobby, que non. Ce qui loi moko, à part loi Oyo, ils ont une contradiction dans la constitution, à part loi Wana. Pour loi, ils ont une contradiction avec la constitution, ils ont s'appliqué. À part loi Wana, la loi Nyonso, pour la constitution, elle a été en 2006. Dans le lobby, il y a un code pénal de 1940, donc avant. Loi Nyonso, on a arrêté Nyonso, ils ont continué à s'appliquer jusqu'à l'abrogation. C'est-à-dire qu'il faut. Décision et à parlement, au baron Bassa, un bec au pont à reprocher, et ainsi de suite. Et ni Nicolo Baboué, tant que le gouvernement n'a pas eu de décision et à lever le moratoire, tout le monde a quatre arguments que non, peine de mort, et ça, l'arsenal juridique, c'est-à-dire code pénal 1940, code pénal militaire 2002, mais également la loi de 2015. Mais, bande qu'on a eu la politique, Bossa Nicolo Baboué, non. Entre 1940 et 2002, il y a eu la constitution de la République démocratique du Congo qui consacre la vie. C'est-à-dire que la constitution qui se lit
de manière un peu désarticulée. C'est-à-dire que dans le préambule, ça fait partie du bloc en constitutionnalité. Préambule la constitution de la République et le but est non. Nous sommes membres et signataires de chartes de droits de l'homme, de chartes. Déclaration universelle des droits de l'homme, charte africaine des droits de l'homme, statut de Rome, parce que il y a un homme qui est créé qui s'est payé. Quand un membre, il va signer, il va en anglais. Alors que la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 3, il dit tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Tout individu a droit à la vie. États-Unis pratiquent la peine de mort parce qu'ils signent la charte. Tu confondes. Le pays pratique la peine de mort et signent la charte. Ils signent la cotisation. Tant que préambule, ils signent la charte. C'est-à-dire que tu intégrons dans quatre arsenal juridique. Et ça a la valeur constitutionnelle. L'article 5, qui est la déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne sera soumis à la torture, ni à la peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Alors que la peine de mort continue à être prononcée, il y a près de 600 personnes dans la couloir de mort. Il y a même qui sont des gens qui meurent parce qu'ils ne mangent pas dans la prison d'Abisso. C'est des traitements cruels et dégradants. La charte africaine des droits de l'homme, l'article 4, la personne humaine est inviolable. La personne humaine, ça veut dire la vie. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Statut de Rome, parce qu'on a consacré qu'il faut quand même une alternative à la peine de mort. L'article 77 au statut de Rome, et le binant, la peine de mort doit être commise en 30 ans de prison ou à perpétuité. Notamment pour les auteurs de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et génocide. Vous imaginez? Tant aussi si préambule, de continuer dans la constitution. L'article 16, qui s'est approprié des valeurs universelles, il y a beau mot. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personne dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Donc, dans ce qui en a, la personne, l'État a l'obligation de respecter et de protéger la vie. L'article 61, toujours la même constitution. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après, principe numéro 1, le droit à la vie. C'est-à-dire que même ceux qui sont dans l'état de siège ou l'état d'urgence, dès qu'ils vont proclamer la Kiev. Les principes constitutionnels évoqués ne sauraient être dérogés, c'est-à-dire tout le monde est à qui qu'on soit, disposition. Il n'y a qu'un des contre-cancers, c'est-à-dire droit à la vie. Mais tout à l'heure, il y a des gens qui ont été mis en place, décision avec une légèreté. Parce que c'est vrai que le code constitutionnel n'est pas été actualisé. Parce que ceux qui ont actualisé à Kango, ne sont que tous les deux ans, l'article 1905 est à la corriger. La conséquence, c'est que voilà. Le lobo Kangi, Moutou, dans une justice qui est malade. Le quoi là, service de renseignement m'était indiqué. Non, par rapport, il y a ma charte, tout ça, signature, mais tout ça. Ce sont des dispositions juridiques qui sont au-dessus du code pénal. Ce sont des dispositions juridiques qui sont au-dessus du code pénal militaire. Ce sont des dispositions juridiques qui sont au-dessus de la loi de 2015. Donc, c'est-à-dire que le juge, dans son bon sens, qui lit le droit, qui dit le droit, doit se conformer. Parce que il y a toujours un appel, un recours. C'est-à-dire que le juge qui respecte la Constitution va dire non, non, c'est contraire à la Constitution, je ne peux pas. Je peux condamner à la peine de mort. Il n'y aura pas exécution, il faut le commuer à perpétuité ou à 30 ans de prison. Et lui, il faut le Congo ou bien qu'on soit contre. Non, il faut le respecter Congo. Qu'on respecte, mais ce n'est pas nous qui avons fait la Constitution. Le Congolais, il faut qu'il y ait. Il ne faut pas qu'on soit une mesure populaire pour qu'on ait tendance à un moment. Vous avez utilisé faiblesse nabino pour nabozo ko ko sunga ba kongolété ko si sa criminalité ko pe sa maina couranté ko pe sa ba jeunesse misalaté bolobi poto si sa ngoki mieto bo mabango to bo mabango ba ko se révolter lobby et c'est ça la criminalité étatique, le droit de tuer que nous voulons pas. Moi un mot amusant de éviter. Est-ce que une proposition encore elle qui était outre que Kouboma Bandeko Obadi ba traite et tout ça peine de mort et tout Obato Bébé ba côté les Mélangon parce que Mokoumi ba dit contre Yango na outre côté il y a bien na ton awa koma ba ba ambassade ya Canada ya Royaume-Uni Suisse ba dali préoccupé na makambo Yango ba lingi Yango kututé
Madame, merci beaucoup. Je veux remanier. Je veux remanier un peu ce que le confrère a dit. Je viendrai beaucoup plus parler de ça lorsque je vais aborder le cadre légal. Vous savez que dans ces pays ici, notre pays Congo, on a connu pas mal de... Namboka Nabiso et au Congo, République démocratique du Congo. Tolala Kakaboe, Tolamouki, Tomoni, Ndeko Nabiso Mokoboe, Congolais de père et de mère. Hein? Akei, Akei Akuminaye, ennemi Amboka. Tolali ni sous boue, Tolamouki, Tomoni, Ndeko Mokoboe, Pea, Lamouki, Alobite, Ngape, Nakuminanga, ennemi Amboka. Tovanda boue, Tomoni, Bato, Bazana, Katiaba, institution, le député, le ministre, le militaire, Obazakuna, na front. Ba komi na bango ba ennemi ya mboka, c'est-à-dire que balobi bon biso ndenge toza boye toke pe ko boma bande ko na biso ba kongola. Je le dis avec beaucoup de, ça me fait très mal au cœur. Simplement peut-être qu'on n'a pas peut-être qu'on n'a pas une famille de l'autre côté, hein. Mais je vous dis ce qui se passe là, c'est du carnage. Bande konabiso bazo kufa na ndenge moko ko imaginete. Ngana yo tozana Kinshasa. Ngana yo tozana biso Kimia quand même. Mais bande ko bazo vivre ba makambo moko ki ko imaginete. Biso ba congolais. Tokoki quand même ko comprendre que Rwanda ndenga agressa ka biso. Ndaza ko agresser biso, ndaza ko boma bande konabiso et tozo bunda pour que to rétablir paix na mboka na biso. Comprenez biso ba congolais to ko ki ko comprendre amo mais to ko ki ko comprendre que te que to la li to la mouki to ki ndeko Eric akei ko simba minduki pas comme le wazalendo abundisa ba ennemi mais asimbi munduki pour que aboma bande ko na ye ba congolais neti ndeko Jean-Jacques Mamba neti ndeko Corneille Nanga neti ba militaire wana misusu madame. C'est ce qu'on appelle par la Constitution la haute trahison. C'est ce qu'on appelle par la Constitution la haute trahison. Alors, nous avons la brèche, il y a aspect, il y a cadre légalité. Donc, lorsque nous avons la peine de mort, peine de mort dans le cannabis au Congo, la question s'est posée. Est-ce que Ezali aboli ou bien Eza abolité? Madame, le confrère a dit une chose ainsi, Eza très importante. Et Nazo Zwakaba Monaï. Peine de mort, Nambora Nabiso Ezali régit na Mibeko Otobeni Code pénal. Il y a le 30 janvier 1940. Le 30 janvier 1940, Tozui Code pénal. Et dans le code pénal, dans l'article 5, il a énuméré la sanction pénale, la peine. Entre autres, il y a peine de mort. Mais il y a aussi peine d'emprisonnement, prison à perpétuité. Mais il y a peine de mort, c'est-à-dire la mort, c'est une peine. Et Mibé Konabiso, contrairement à ce que le confrère a dit, peut-être que le confrère a oublié, code pénal ouana est subir ba modification à plusieurs reprises. Déjà, n'est-ce pas? En 2006, pour ne pas rentrer trop, en 2006, ba modifier à code pénal nabiso. Ba kendaka plus particulièrement la motali ba violence sexuelle. En 2006. En 2009, avec le ministre de la Justice, ancien ministre de la Justice, M. Luzolo Bambi, le professeur, on a modifié le code pénal en 2009. Il y a eu quelques dispositions, bah, qui encore n'a qu'à dire code pénal.
En 2015, le 31 décembre 2015, va modifier encore le code pénal. Bah, quelques dispositions, par exemple, incrimination, ils ont relevé la juridiction internationale, par exemple, le crime de guerre, crime contre l'humanité, qui pouvait aussi être réprimé dans la juridiction interne, c'est-à-dire dans la cour d'appel. Madame, pour ne se limiter que là, vous allez constater que il y a trois rubriques où il y a modifié le code pénal il y a 30 janvier 1940. Mais aucunement on a touché la disposition ou le paragraphe et la disposition et article 5 qui parle sur la mort. Mais pourquoi on n'a pas touché ça? C'est parce que notre pays, République démocratique du Congo, n'a pas aboli la peine de mort. La République démocratique du Congo, on parle de quoi? On parle d'un moratoire. Nous sommes Toza Bato Totangi quand même, Bakla Sialikolo. Moratoire et Zanini. Moratoire, n'est-ce pas que ils ont sous forme, il y a délai, suspension, il y a exécution, il y a éloque, pour un délai. C'est ce qu'on parle de moratoire. C'est-à-dire que délai, que beaucoup de gens suspendre, exécution, il y a peine de mort, vous comprenez? Mais la peine de mort, délai, nango, aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 21 ans. Depuis que suspendant exécution, il y a peine de mort dans notre pays. Mais madame, ezali na wana na lunga na miroité ka kaspe wana. Mais ezali na ndenge na biso bato ya mibeko, moi je suis pénaliste. Na ndenge na biso bato ya mibeko na ba peine nyonso tout otangi. Ezali na peine mon côté o ezali plus que la peine de mort. C'est-à-dire où ils allaient là-bas, où ils a makasi ko le capen. Mais est-ce que on croit que zo et que bangi ça va y vraiment un bocal obi déjà? Madame, affront tout ça, ça mais ça va mandou que tout ça au bang à lui. Madame, qui vous dit ça? Ça c'est du mensonge. C'est du mensonge, madame. Et bangi ça va très très. Vous, je vous pose une question, la mine en compte en détail. Yo kanisi ba o tout bazalaka ba soda onyo surtout bazalaka wa ba bukana lokolo likulisa se kota ya beba lokolo. Vous croyez que nous avons quand même quelques informations que ils en a bas militaire mususu bazalaka que et comme il faut mal que indi yumbe yumbe kuna azui nae par il met nae ça c'est dans le col intervention botine na Kinshasa va na Kinshasa pour que aoki ma guerre qui vous dit que mutabanga aliwazati même bas kamikaze oh ya barab. Ils ont parfois peur. Mais ils ont toujours peur de la mort. Mais madame, les chefs de ce monde, Jésus-Christ lui-même, a eu peur de la mort. Lui, Jésus, il a une mission qui est parce qu'il y a une mission qui n'est pas pour Koufa. Parce qu'il faut que pour sauver mon kilo, il faut que Koufa. Il faut que Koufa pour Koufa. Mais malgré qu'il a eu peur de la mort. Qui vous dit que les militaires n'ont pas peur de la mort? C'est faux, madame. C'est faux et archi faux. De toutes ces peines, il n'y a pas une peine qui est plus puissante, qui fait peur que la peine de mort. Il y a droit de l'homme. Non, j'en viens d'abord. Nazoya. Rapidement, parce que. Rapidement, Nazoya. J'ai des âmes figées. Tangu balobeli makambo yo ya Union européenne balobeli tolobeli makambo etali ndenge bazo décrier contre mambo ya peine de mort. Madame oyebi elinga kieza la malamu peut-être to ngato ko mape na niveau hote soki Union européenne wana bazo tanga bayaki hein soki Union européenne wana bayaki ba soutenaka République démocratique du Congo par rapport à la guerre, il y a Est et il y a Mbokanabiso. Parce que la guerre, il y a Est et Mbokanabiso, ils ont un député encore britannique à l'Obama, ils ont Makambo. C'est du business. Et soutenu par la communauté internationale, particulièrement par l'Union européenne. Parce que vous avez dit que l'Union européenne a signé un accord dans le Rwanda, dans Makambo et Taliban minéré. Tout en sachant que Rwanda nous agresse et Rwanda n'a pas de minerais, Rwanda a pas de biso.
Et vous croyez vraiment que l'Union européenne a causé la satisfait lorsque Bissot Tolobi que Tozako frappait maintenant Bato et Bazako déranger le Congo, bah, Congolais à peine de mort. Mais est-ce qu'ils attendent de quoi ou tu colobas que l'Union de Borogi aussi sa banditisme, Borogi aussi sa traîtrise, tout ça et tout, et on est bon, on y peine de demander sous Kamakambo. Non, mais. Et ça, il y a des défaillances dans Nangambo, il y a régime en place. Non, madame, écoutez, peine de mort lorsque Boutangi, note circulaire, Wana et à ministre de la justice, madame Rose. Peine de mort, peur de mort, et Zali n'a pas rubrique. Ce n'est pas que madame Okeyo Yibi téléphone, quand elle est au peine de mort. Parce que je sais que les opposants, Bazobanga, pourquoi seulement les opposants Bazobanga? Mais Bazobanga, parce que le message, la sortie médiatique, ça a déjà Kobanga. Mais la question peut être posée parfois. Pourquoi Bazobanga, ma casse, ceux qui baby que Bazana Bango na Makamboba très traité, ceux qui baby que Bazana Makamboba espionnage, ceux qui baby que Bazana Makamboba haute trahison, ceux qui baby que Makamboba tali soutien à un groupe armé Bazana Ngote, Bakubanga pour Nanini, quelqu'un qui sait que je marche conformément à la loi, je vais avoir peur de quoi? Vous comprenez? Je veux dire ceci, comme le président Mbosso l'a dit, et il continue à le dire, je prends ces mots pour Narolobaïke, sortez de groupe rebelle. Arrêtez de soutenir le troupe rebelle. Arrêtez de massacrer vos compatriotes. Moi, je conclue pour dire que Constitution et Salami na 2005 promulgué na 2006. Et Constitution et Aki Kokuta code pénal. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà na théorie il y a Kelsen et consorts, lorsqu'une loi semble être contraire à la Constitution, cette loi ne sera pas d'application. Et aussi, pour aller plus loin, est vouée à une abrogation certaines dispositions. Mais aujourd'hui, madame, depuis que la Constitution est venue à trouver même le code pénal, et le code pénal de disposition n'est pas toujours changé parce qu'on ne trouve pas, n'est-ce pas, quelque chose qui soit contradictoire à la Constitution. Le code pénal, dans son article 5, prévoit toujours la mort comme sanction, et la mort est définie comme un mal infligé par les juges à titre des sanctions à celui qui est reconnu coupable. Et c'est une sanction comme toute autre sanction. Je pense que la peine de mort, il y a eu un moratoire. Je vais vous citer seulement, non, Chitembaou, deux pays. Vous avez les Corées du Sud. Bah, a tapé aussi pour la peine de mort, pour la subroger peine de mort. Mais la Corée du Sud est fongolaka toujours branchement comme un cadre y a bah espionnage y a bah haute trahison pour la exécuter bah tout bah autre trahir en boka. D'ailleurs, je vous dis, je crois que ça fait deux mois passé, Corée du Sud a exécuté plus de 81 personnes. Mais lui qui est membre signataire, n'est-ce pas, il y a la charte, il y a peine de mort. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours des états où il y a la branche de mort pour la peine de mort lorsque il y a constaté qu'il y a la menace où il y a la peuple en Abango. Égypte n'en parle pas. Voilà, mais moi, je vais vous dire rapidement, il n'a évité de répondre dans une minute. Par rapport à la justice, il y a un peu de temps, il y a un malade. Tout ça, il y a une peine de mort. Il y a se rendre compte qu'il y a un innocent. Non, mais au Ebi, quand on a le Belali, madame, on parle quand même de peine de mort. Le confrère est juriste. On parle quand même de peine de mort. Peine de mort, c'est une sanction où il s'applique à la tête, il y a une sanction. Vous comprenez? Ça ne s'applique pas comme toute autre sanction. Parce que là, c'est une sanction éliminatrice. On parle de la vue d'une personne. C'est pour cela même que Mibeko et Lobiboé, avant d'exécuter Moutou, il faut que Moutouana a obtenu voie de recours et obligatoire auprès du chef de l'État. Parce que c'est contraire, il y a ma sanction Moussous. Lorsqu'il y a d'autres sanctions, par exemple vol, par exemple autre infraction, hein, voie des recours et à la cas facultatif. Tu veux ou tu ne veux pas. Mais en matière, il y a peine de mort. Voie des recours, c'est une obligation. Parce qu'on doit revoir votre cas. Vous comprenez? La justice, elle est malade, c'est vrai. Mais la peine de mort ne s'applique pas pour toute autre infraction. C'est cet amalgame que les Congolais ont fait. En tout cas, les Congolais ont fait. Peine de mort et qu'on s'applique pas à Moutounion surtout. C'est-à-dire que s'applique à l'infraction que nous avons commettre. Et ça, c'est parce que les gens ont fait. Et ça, pour les gens qui ont trahi le mot cannabis. Les gens qui ont fait
congolais bakeyi na est bakeyi ko simba minduki pona ba babo mabande ko na biso ba congolais et peine de mort et ko s'appliquer pona bango parce que bazali comme ba ennemi ya mboka na biso. Oui, très bien. Moi mboka Eric biso lo ko dans to clôturer na le capital ici j'ai en moi mboka lobi et ko s'appliquer na mution surtout et c'est et puis ba ko lander la dossier comme il faut yebi ozali juriste que mutu o ali condamné na peine de mort ba konana kaeka bo aussi comme maman bomité il faut qu'on l'a très bien tout ça et tout par rapport à la justice de l'obac qui est malade et puis à l'obi bah opposant du non bon l'idée que bon parce que ce boyer bi vous allez maramouté li bah très traité tout ça et tout boyer maramouté puis à singi na ba imboka oh basali na ma groupe armé bah bimandé moi imboka le président ancien président assemblée nationale ali président bureau d'âge moi imboka mbosa kumbosa kyo kodio a outa kolo bala bande ko député bon je serai en question qui n'a qui pénaliste à l'obi qui est dossier il faut élander la ma bien fait ça là où il y a peine de mort. Nous avons l'obligation de suivre tous les dossiers parce qu'une personne quand il risque sa liberté ou bien son honneur, on doit et qu'il est innocent, on doit défendre. On se pose pas la question. Mais je suis étonné d'avoir un pénaliste qui nous parle d'un document de Rose Mutombo, mais qui nous dit que la peine de mort ne s'applique qu'aux trahisons. Mais Rose Mutombo, dans son document, il vous reprend l'article 202 du Code pénal militaire. Vol, détournement et destruction méchante. Ah, c'est la haute trahison. Je vais encore vous donner un autre élément. Association de malfaiteurs. C'est la haute trahison. Mon cher, tu es pénaliste ou pas? Tu es juriste ou pas? Et j'entends un juriste, sans honte, regarder la caméra dire que la peine de mort ne va pas en opposition à la Constitution de la République. N'habitez. Mais peut-être pour n'attendre rien en français. Mais tant qu'on attend l'article 61, et l'obi n'a eu ok. Même en état de siège, même à un moment où yo, Tokiko Lobakimi, Bekombo, Kombo, Kesa, ils sont en danger. État d'urgence. On ne peut déroger au principe du droit à la vie. Yo l'obi que ça ne va pas en contradiction avec la peine de mort. Madame. S'il vous plaît. Vous pouvez rebondir, oui, c'est bon. Je pense que je vais vider un peu la malade. Ce n'est pas un malentendu. Je dis que la Constitution oblige l'État à préserver la vie, donc c'est dur, n'est pas condamné à mort. Lui, il me dit que la peine pénale, le code pénal est là, n'a pas de problème. Si on n'a pas retiré les dispositions relatives à la peine de mort, c'est parce que ça ne va pas en contradiction na Constitution. On l'a bien rebimé dans mon okunaï. Mais ce qui est grave encore, n'a comprendre que Ndeko Jean-Pierre Bemba, Tangazwaki Minduki, il y avait le code pénal 1940. Il n'avait pas eu peur de la peine de mort? Vous n'aviez pas eu peur de la peine de mort? Si vous avez eu peur de la peine de Minduki Lelo, vous avez ennemi de la nation. Quand vous violez la Constitution, vous croyez que vous servez la nation? Vous ne croyez pas que la haute trahison, comme le dit la Constitution, ça dit également quand on ne respecte pas la Constitution? Je ne sais pas, mon frère, mon confrère, la Constitution, quelle Constitution a démis si c'est la République démocratique du Congo? Et puis de manière tout à fait maladroite, au lobby, code pénal, il recevoir des modifications. Non, elle a été enrichie. Enrichie n'est pas actualisée. C'est-à-dire, il y a un disposition, on l'a enrichie, mais on ne l'a pas actualisée. Actualiser, Moutouna, ça a bon sens, on va comprendre les constitutions et les interdire l'IWA. Mais ça, c'est la politique qui s'en mêle. Dans l'obino, okay. C'est pathétique. Quand on aime une nation comme la République démocratique du Congo, Mboko est en réellement dans ma casse Iboui. Tout comme ça, la Mboko en Mboko a mis en fonction en Rwanda. De quoi évoquer? Je n'ai pas comprendre une telle réflexion quand on a 9 pays frontaliers. C'est-à-dire que les Congolais vont vivre en Mboko en fonction. Il y a rapport là-bas, Ndeko na biso ya libanda. Le Rwanda, lobi Uganda, lobi Angola. Donc, les Congolais, comme les prisonniers, les politiciens opportunistes, en fonction de la relation, on a un Mboka libanda. Non, il faut faire un Mibeko Mboka où ils ont intérêt à Congolais. Constitution, ils ont intérêt à Congolais. Constitution parle de la haute trahison, ce n'est pas vous. Mais moi, Mboka, est-ce que vous osez comprendre traîtrise? Il y a un Mboka aussi, Maminduki. Parce que, Maminduki, ce sont leurs alliés. Parce qu'ils ne sont pas entendus.
Parce qu'il y en a qui ont refusé d'être victimes. Il y a un complot parce que baninga le pouvoir, baninga le pouvoir, nandenga na bango moko. C'est entre eux, c'est-à-dire que c'est eux qui trahissent la nation. Dans ce temps, Mazu Windu qui balobi est allé biso ma nation. Même Moutou Akendoyi, il n'y a pas de Moutouba Bombaïa, Zolo Banaraké. Non, c'est spécial. C'est pas spécial, c'est une disposition, elle est là. Est-ce qu'en quoi on a dit que vol, association de malfaiteurs, et qu'on allait traiter différemment, n'a pas de trahison. Non, je veux une minute, je veux répondre. Écoutez, c'est une confusion. C'est une confusion. Lorsque vous lisez la Constitution, il a parlé de la vie, est-ce qu'il peut nous donner, même au Collidor, une disposition de la Constitution qui nous dit expressis verbis que on ne peut pas appliquer la peine de mort? Une disposition de la Constitution. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a un principe en droit, on dit, quand la loi veut quelque chose, elle le dise. Et lorsque la loi ne veut pas quelque chose, la loi s'étaise. Et il nous parle de la vie, n'est-ce pas? Le principe sur la sacralité, n'est-ce pas, de la vie d'une personne. La sacralité de la vie d'une personne est... primé par la Constitution, c'est-à-dire par le loi. Ezali mibe konde mutelo beliango. Mais ils ont comme balobi comment liberté à mutu, qui n'est que un principe aussi, n'est-ce pas, la détention une exception. Quand on parle de l'exécution de la peine de mort, ce sont des mesures juridictionnelles. C'est-à-dire quoi? Nous sommes allés au tribunal. Il y a eu procès. Et après, procès, avec beaucoup d'enquêtes, va constater que légalement, vous comprenez? Parce que cette mort-là, c'est différemment. Naliwa Yabatumsous, par exemple, excusez-moi, président de la République, Yayeka Kazuyo, Abomiyo. C'est différemment. Ça, c'est illégal. Il y a aussi une mort qui est légale. La peine de mort, c'est une mort légale, autorisée par la loi. La peine de mort, c'est une mort légale. C'est une mort qui n'est pas illégale. Parce que la mort qui est illégale, vous ôtez la vue d'une personne, sans pour autant que la loi vous donne l'accès. Obomi Moutou, Mibé Kwepe Siyo Pouvoir Té. Mais seulement la peine de mort, Ezali Aspect Omibé Kwepe Sa Moutou Pouvoir. Natangou Oma Mboka Jean-Pierre Mbassima Kimandou qui prend la nuité, puis condamna qui a la peine de mort. Non, mais je veux faire une anecdote ici. Deux choses. Premièrement, moi Mboka Jean-Pierre Bemba. A Simba ki Mindouki, Azala ki na rébellion ti. Jean-Pierre Bemba Simbi Mindouki, parce que je vous dis ici que quand est-ce qu'on peut parler d'un concept de rébellion? Il n'y en avait pas. Trahison. S'il vous plaît. Il n'y en avait pas un gouvernement, n'est-ce pas, légitime, issu des élections. Il n'y en avait pas. Le monsieur Mouzé Laurent Désiré Kabila, à l'époque, il avait touché les armes. Azui pouvoir na Mindouki. Vous comprenez? Et Jean-Pierre Bemba ayant constaté la dérive dictatoriale, il y a M. Mouzé Laurent Désiré Kabila, et il a touché les armes pour libérer ces pays. Il n'y en avait pas la rébellion, parce qu'on se rébelle juridiquement qu'en face, n'est-ce pas, d'une institution légitime, une institution reconnue par la Constitution. Et cette institution-là n'était pas Ezala qui reconnut la Constitution. Ça, c'est de un. Et aussi, Toye encore n'a un élément de taille qu'il a souhaité. Il a dit, parce qu'il n'y en avait pas que Jean-Pierre Bemba, il y avait beaucoup de troupes armées. C'est vrai que Bemba avait un peu une influence sur d'autres armées. Effectivement. Mais écoutez, tous ces armées-là, il y avait aussi le Roubaix Roy Consort. Tant Otokeyi na Sand City, on avait décidé. Parce que s'il faudra qu'on en ayango, qu'on ne paye pas Ndeko Kabila. Parce que Ndeko Kabila, lui aussi, le père, bien sûr, a zwaka pouvoir par le voie des armes. Vous comprenez? Il n'y en avait pas vraiment un État, une République fondée sur base d'une constitution. Vous comprenez? Donc, je chute pour dire ceci. Na San City, n'est-ce pas, on avait pris une certaine limite pour ne pas exposer certaines personnes au Babunda qui légitimement pour n'a libérer Congo. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la constitution. Mais cette constitution-là, Ezali Bafoui, entre autres, il y a M. Jean-Pierre Bemba. Très bien. Voyez. La population va retenir que tant que Bemba a Zouaki Mindouki, Barbie constitution, ça l'a quitté. Mais la loi, elle était là.
quelle loi? Le code pénal de 1940. Mais le code pénal 1940, vous oubliez, apparemment, je vous rappelle, je vais actualiser votre... excusez-moi, je vais actualiser mais on votre était, pensée. Le code pénal 1940, oui. N'est-ce pas? Je vous rappelle ici que en 1997, monsieur Mouzé Laurent Désiré Kabila a pris les pouvoirs par les armes. Monsieur Mouzé Laurent Désiré Kabila a eu pouvoir na Mindouki et il a tout suspendu. Je dis bien tout suspendu. Le pays n'était dirigé que par l'acte constitutionnel. Que lui-même, il avait... D'ailleurs, on appelait ça arrêté constitutionnel. Que lui-même, il avait fait quoi? Il non, avait... Il y avait même une constitution, madame. Et c'est là qu'il y a la Mibé Kouanate. Il y avait beaucoup de lois. Il y avait même une constitution. Et ça qui fait la constitution, cette constitution-là était une constitution définitive. Une constitution définitive, c'est une constitution où la population va voter dans un référendum. Peu importe les formes, vous comprenez? Mais lorsque le monsieur est venu, avait tout suspendu, même le Parlement. Vous comprenez? Et comment vous allez accepter, par exemple, que l'on n'a plus que le code pénal, pourtant la personne qui avait pris le pouvoir en 97 avait déjà tout suspendu, le pays n'était dirigé que par décret Oyemoko Bandeko signé. Non, madame. Parce que si c'était... En 98 s'appliquait, moi c'est ça que je retiendrai. Mais en 2006, constitution est arrivée. Ndeko, ils auraient dû réfléchir que les lois anticonstitutionnelles ne sont plus d'application. Mais Yalobi, non. Les lois, je crois qu'à l'unique principe, Wana, que les lois qui vont en contradiction avec la Constitution ne s'appliquent plus. Au Pessa qui principe. Justement. Mais à l'unique, que la Constitution interdit la mort. Quand on consacre à la vie, pour toi, c'est quoi en fait? Quand on dit droit à la vie, c'est quoi? Mais c'est que moi, je sais que vous êtes juriste, ok? Vous m'avez dit que vous êtes juriste et je crois sur parole. Vous êtes juriste. Vous savez, vous connaissez le principe de droit où on dit la loi, quand la loi veut quelque chose, les disent. Et lorsque la loi ne veut pas quelque chose... Mais la Constitution pose des principes généraux. Effectivement. C'est-à-dire que les principes généraux, quand on dit consacre la vie, maintenant c'est la disposition de la loi de prendre... Les dispositions nécessaires pour consacrer la vie, pas pour consacrer la mort. Mais sauf que la loi qui est appliquée, elle est antérieure. Ils ont calé les cas constitution. Mais Baninga Bazolinga, parce que dans leur confusion politique, dans leur volonté, il y a pour soutenir l'immoralité, même si c'est légal, l'immoralité. Ils oublient qu'il y aura des conséquences, même sur vous. Vous voulez me dire ici sur ce plateau, s'il vous plaît. Vous voulez me dire ici sur ce plateau que la peine de mort, c'est une mort illégale. Mon cher, c'est illégal. Puisque la Constitution dit le contraire. Ah bon? Oui, moi je dis c'est illégal. C'est un juriste qui me dit ça. Merci beaucoup. Constitution et maintenant on entend la Constitution. Qui prime d'abord. Ah bon? C'est un juriste qui me dit ça. On commence par la Constitution. On a habité au Tangaot. Mon frère. On commence à prendre la Constitution avant de regarder la conformité. Et c'est à partir de la Constitution qu'on juge la conformité, de la légalité. Moi je voudrais savoir, vous êtes juriste et vous me dites ici que la peine de mort c'est une mort illégale. Ah, peu gouvernement, le bas raison à ce matin, chose à l'été, face à ma traite. Pour nous aussi, ça, nous avons été très tristes et c'est un gars qui a peint. L'Assemblée nationale. Tant que le babo, il y a des groupes armés. Mais ça permet de dire que le bateau est au Kanga. La loi n'interdisait pas. Il y a un bateau au Kanga récemment. Il y avait aussi un député. Il y a ensemble. Ensemble pour la République. Merci. Très bien, Mboka, tu m'as dit pas Nayo. À quand le démarrage du deuxième mandat chef de l'État? Mboka, tu comprends. Tu m'as dit que tu m'as depuis année Bandi. Premier mandat, tu m'as dit. Première année, tu m'as dit. Mboka, tu m'as dit. Mboka, tu m'as dit. Chef de l'État, tout ça, tout ça et tout. Alors que tu as dit pouvoir, tu as dit deuxième mandat. Tu as dit que tu as dit. Ça qui est confiance, bah qui pose ça dans la gare, attaquer, bah problème au Italie, bah imboka, ils ont les sabans imboka chaque jour, mais bah comme on a tissico et l'eau, c'est la mité, hein, moi. Bon, ngalangina y savande ou ngalangai ba congolais, ngalangina y savande ou ngalangai ba congolais, boye. Boye dit que président de la République tant wakenda qu'au prêté serment, alors bah qui que Alingi Susukosa a reconnaîtra qui d'abord premièrement qu'a commettra qui bah erreur, n'a passé. Et puis alors dit que à l'acquis, à pessi parole naie d'honneur. Alobi qui a bandé la thé. C'est-à-dire que Azako corrigé Baerer nae, Baerer y a passé, Oyemoko estima que Asalaki. Alors, comment on peut corriger? Ndengeni ni toko ki ko corriger Baerer y a passé.
c'est en faisant bien dans le présent et préparer bien le futur. Alors, pour na kosa la makambu que erreur est à la sous-souté, il fallait qui premièrement commencer par qu'est-ce que nous dit la Constitution. Constitution est l'obin abisobo et après ben, élection, n'est-ce pas, lorsque vous allez dans la majorité et dans le Parlement, il faudra que vous désignez d'abord un formateur. Informateur, wana, Moussala na ezali a co-identifié, n'est-ce pas, majorité parlementaire. A co-identifié, bah, député, a identifié majorité, bloc où est constitué majorité dans le Parlement. Et à comme ma rapport, na, le président, s'il veut, il peut encore nommer un informateur, y a, comment, un formateur du gouvernement. Alors, l'informateur, Asili Saki déjà, Moussala na e, Zakara na quelques toilettes, j'ai moi à l'obakiango, même sur Bazon Yaba Media, qui est au Azosala. Et donc, je pense que le président de la République, décollage, il y a deuxième mandat, naïe, et Zalipe qu'on s'est déterminé par rapport à la qualité, il y a tout, il y a qu'on travaille travailler na bango. Vous voyez, comme je vous ai dit, par exemple, pour on a vu il y a Kinshasa, où il y a miroir, président, il y a Monique, pour on a travaillé bien à Kinshasa, il faut qu'on ait un dit, comme vice-gouverneur, on a Daniel Bumba comme gouverneur, et aussi, il faut que à checker Batou, oh, il y a pour travailler na bango. Qui doit être désigné comme premier ministre, par exemple? Qui doit être désigné comme le ministre, par exemple? Vous voyez? Et donc, Makambouana nyo sotouana, et que ça la mana vitesse na précipitation. Makambouana nyo sotouana, il faut ça la ma, balamba yango malam. Toko ki kozoa inanete, parce que je pense que c'est déjà fin prêt. Okay. Mais je crois que c'est aussi de la discrétion du président de la République. Oyoka kinde ko Augustin Kabuya lobi to tinda ki déjà ba kombo pona makambo ya premier ministre. C'est-à-dire que ezana ba formation oyo ba sala kinini ba tindi déjà. Mais il faut que le président de la République na discrétion na a checker ba kombo ba to ba tinda ki a checker pe ba programme na ba vision na bango ce qui est balani na oyo ya président de la République ne président osa nini a konome. Parce que to lingili susute ne konangai to lingili susute to kende na gouvernement honnête ezala ki na FCC obi na FCC lokwa bazwa ki majorité président zaka na majorité te to zwa ki ba premier ministre o bazaki ke président lobi likambo ya boy président nomi boy a boy ya sali boy et paralysant mboka pendant plus de 2 ans eloko esala mate. Alors ndenge makambo zo kende boy l'union sacrée azali largement na majorité nae. Or l'union sacrée ezali plateforme o to baki to sali pour na ko soutenir le président de la République. Et donc, je parie fort que le premier ministre à cause de la issue de l'Union sacrée et gouvernement et cause à la créer par rapport à ma membre à l'Union sacrée, mais il faut pas qu'on ait l'Union sacrée en gros, bateau ni basali na moralité, bateau ni basali na probité, parce qu'il faudra pas que tout ça bat l'Union surtout. Très bien. Donc, c'est un peu ça. Eric, est-ce que dans l'Union sacrée, au cas où ça monte, on zambouka pour la tâche facile, mamboka. So misus bandi makambanda po akoma na mbongo po famille koma na mbongo ya ngana bozo mona ki ba congolais bazo souffrir énormément parce que mon nom des incompétents on nomme des gens par tribalisme on nomme des gens par affinité autre que légale donc il fallait quand même en tant que légaliste au bandom na fondement on a voté le président de la République à banda qui déjà mandané ce qui politique en mbongo bandité parce que ça ne dépend pas du président de la République ça dépend du gouvernement. OK. C'est lui, à travers l'article 91 de la Constitution, qui stipule qu'il définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation. Donc c'est le gouvernement, et ça, issu, il y a Parlement, qui est dans un autre pouvoir. Président de la République, pouvoir institutionnel, gouvernement, pouvoir institutionnel, Parlement, pouvoir institutionnel. Ce sont des pouvoirs qui se valent. Donc à partir, il faut comprendre que Makama Mbouka est le gouvernement. Mais le coup de la vie, pas sentimentaliste, il y a dictature ou bien il y a roi. Ça dépend de la volonté du chef d'État. C'est même régi par la Constitution. La Constitution, c'est l'expression de la population. Donc moi, je n'ai pas foi en ce qu'ils vont se dire parce que comme étant que Bissot déjà, à travers leur union sucrée, ou bien union saleté. Union sacrée, union saleté, tantôt union sucrée, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, il y a des unions, puisque il y a une qualité. Pourtant, il y a un programme pour la population congolaise. Il y a une élection. Tant qu'il y a une élection, au monde de Panzani. Opportunisme, mauvaise foi. On a même là un député national qui est soi-disant le plus âgé, il y a un qui peut percevoir. Mais où est-ce qu'il y a un âge à y a commis le lot
le plus âgé, il y a quatre assemblées. Automatiquement, le siège nous revient. Mais un député national, Mbosso, Aboyi Kotika place. Il est plus âgé que Mbosso, c'est lui le plus âgé. Ok, il a 84 ans. Il devrait rejoindre la place à Mbosso. Mbosso Aboyi Kotika place. C'est ça un État qui dénie de droit. Oh, bazo respecter mes bébés comme mais bazo le bas, tant que vous m'ayez tant que vous êtes congolais simple, vous avez une bonne relation avec la politique, na pouvoir, na mbongo, vous avez respecté mes bébés. Merci beaucoup. Bande comme on a dit, il y a 6 mai télévision, tu comme une souka émission. Nous, c'est ton état, je vois. Tu comme une souka émission. Tu comme une souka émission. Non, à commettre, à comprendre qui peut être un gars bien été. Lorsqu'on a l'objet que. Nomination y a premier ministre Isaac au dépendre en la discrétion y a président de la République c'est parce que on sait que premier ministre a outaka d'abord na parlement parce que le premier ministre est issu du parlement conformément à la constitution mais c'est ça très bien. Je rappelle qu'il est président du consort.